C'est une étape particulière de la tournée républicaine du président de la transition dans la Nyanga. Mabanda a reçu ce jour pour la première fois le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema. À la place des fêtes de la localité, chacun des orateurs a égrené les difficultés du quotidien pour les populations du chef-lieu du département de la Doutsila avant la réponse du chef de l'État. Un message plein d'espoir pour le futur de cette localité. Bouloir. La Doutsila fut le grenier de la province de la Nyanga. Sa banane et son taro étaient réputés dans l'ensemble du pays pour leur saveur. Les élevages de bœufs et les rizières de Niali faisaient sa fierté. Nous devons revitaliser son agriculture et son élevage. Je mets à la disposition de la ville de la Doutsila 1 milliard pour répondre rapidement à certaines de vos attentes. À son passage sur cette terre au potentiel agricole reconnu, le couple présidentiel a reçu de nombreux présents de produits vivriers de la localité en signe d'amitié et de gratitude pour son œuvre au service du peuple depuis le 30 août 2023.